L'opposition est finalement assez classique et conforme à ce qu'on attend de l'opposition, mais je le dis plutôt malheureusement parce que, en gros, quels sont les griefs qu'ils font aux personnes qui ont été nommées dimanche? Personne ne peut remettre en cause leurs compétences. Ils sont sur des sujets qu'ils connaissent eux-mêmes et qu'ils connaissent depuis des années, sur lesquels ils travaillent depuis des années. Deux, il y a un sujet de renouvellement manifeste qui a voulu être exercé par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Et trois, c'est des engagés de la première heure de la démarche qu'a eu Emmanuel Macron à l'époque. Donc quel est le sujet au fond? Le président de la République choisit ses ministres, ils sont compétents, ils sont dans ceux qui ont fait émerger aussi le projet d'Emmanuel Macron et, comment dirais-je, l'optimisme qu'a porté la campagne de 2017. Je ne vois pas où est la difficulté. Alors après, l'opposition est dans son rôle, malheureusement un peu conformiste, ouais, et celui de critiquer le remaniement. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs ça intéresse et ça passionne les Français.